Donc, je vais faire des très brefs rappels épidémiologiques, parler un petit peu du diagnostic sur des techniques dont on dispose. J'ai axé un petit peu les éléments sur ceux dont on dispose en Calédonie, les principes généraux du traitement. J'ai détaillé un petit peu les thérapies ciblées, l'immunothérapie, et puis parler des effets secondaires. Donc, le cancer, c'est pas un petit problème. Il y a des chiffres récents qui estiment qu'un homme sur 5 ou une femme sur 6 développeront un cancer au cours de leur vie, donc c'est quand même énorme. 18 millions de nouveaux cas en 2018. Et en ce qui concerne le poumon, alors je ne peux pas me déplacer parce que j'ai le micro, sinon ça va. Donc je vais essayer de vous montrer. Pardon, vous montrez les diapos sans bouger. Donc le poumon, on estime 2 millions de nouveaux cas de cancer de poumon dans le monde par an et 1 800 000 décès. Donc on est un peu au-delà du Covid également, comme pour l'obésité, tous les ans, avec assez peu de prévention. 90% de ces cancers qui sont liés au tabac. En France, on a environ 45 000 nouveaux cas de cancer du poumon par an, avec une très forte mortalité, puisqu'on voit qu'il y a 30 000 décès environ en France par an. Alors par exemple, le cancer de la prostate, où il y a 53 000 cas, n'a que 8 000 décès. Donc c'est la première cause de décès, toutes causes confondues, chez l'homme en France entre 45 et 64 ans, avec une énorme variabilité de pronostic entre des stades précoces et des stades tardifs. On y reviendra. En Calédonie, les derniers chiffres en 2016 recensaient 139 cas au niveau du registre du cancer, avec un âge moyen au diagnostic de 64 ans, ce qui est comparable à celui en France, mais des grosses disparités entre les hommes et les femmes, ce dont a déjà parlé Hervé, et une échelle d'âge, vous voyez une pyramide des âges qui est quand même beaucoup plus étalée, avec des cas très jeunes, une augmentation régulière depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Et toujours cette forte disparité entre des formes localisées qui gardent un pronostic grave, mais avec 40% de survivants à 5 ans, et des pronostics effroyables dans les formes métastatiques avec 1% de survie à 5 ans, en sachant qu'à peu près 60% des patients sont diagnostiqués à un stade métastatique. Alors, comment faire le diagnostic puisque c'est ça qui va déclencher le traitement. Le parcours de soins, il est long, il est compliqué, il est difficile. Il réunit tout un tas d'examens que je vous ai listés là de façon un peu linéaire, la radiographie thoracique éventuellement, le scanner, le TEP scan quand on peut le faire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Évidemment, le maître mot du diagnostic, ce sont les biopsies, puisqu'on ne peut pas faire un diagnostic précis sans avoir du tissu pour l'analyser. Ces biopsies, elles se font avec des examens parfois multiples parce que les premiers ne fonctionnent pas toujours. Donc ça peut être en fibroscopie bronchique, en ponction sous scanner, en chirurgie. Ça peut être diagnostiqué par une localisation secondaire du cancer du poumon. Et puis, on a besoin de faire des bilans d'extension. Et une fois qu'on a réussi à tout ça, on doit faire l'annonce diagnostique. Donc cette annonce diagnostique, c'est toujours extrêmement difficile, et Hervé a bien souligné ça, quel que soit l'environnement et l'origine culturelle de la personne qu'on a en face de nous, c'est toujours une rupture et un traumatisme très fort. Donc surtout, il ne faut pas faire des annonces diagnostiques sans avoir à présenter en face un projet un petit peu de soins, enfin, c'est mon point de vue, parce qu'on va laisser les gens avec une espèce d'énorme boulet au pied et puis sans rien d'autre. Donc il faut quand même pouvoir aborder déjà un peu le traitement et le futur quand on parle du diagnostic du cancer. C'est un parcours du combattant et c'est un parcours chronométré, puisque le patient va assez mal vivre le fait qu'on lui dit « Ah, il y a un problème. Ah, souvent, le mot, il ressort quand même assez tôt. C'est peut-être un cancer. » Et puis, à quel moment on va lui dire « Oui, c'est ça. Voilà votre maladie. Voilà comment elle s'appelle. Et voilà comment on va vous traiter. » Et parfois, les durées, elles sont très longues. Elles sont très longues pour des tas de raisons. D'abord, le recours aux soins du patient, le délai des examens radiologiques, des consultations, des examens paracliniques. Parfois, les premiers examens paracliniques, les biopsies sont négatives, il faut en refaire des deuxièmes, il y a encore des délais, le délai de la napate, le délai ensuite pour poser éventuellement la porte à quatre, pour avoir une chirurgie, pour avoir une consultation. Donc, de temps en temps, on se retrouve avec des semaines et des semaines et des semaines qui se rajoutent.
Mais en même temps, c'est impossible en 2020 d'envisager d'avoir un plan de traitement précis sans avoir une carte d'identité extrêmement précise de la maladie et une carte de géographie extrêmement précise. Et ça, c'est deux choses qui prennent du temps. Donc, il faut anticiper et expliquer aux patients, de mon point de vue, que ça va prendre un petit peu de temps, mais que ce n'est pas du temps perdu parce que ça va nous permettre de mieux choisir son traitement et de mieux le traiter et qu'il réponde mieux au traitement. Mais il faut l'expliquer parce que sinon, c'est extrêmement mal vécu. Et puis, pour raccourcir tous ces délais, bah, le seul moyen, c'est de prendre son téléphone et d'essayer de raccourcir les délais, Et ça, l'activité en réseau, elle est essentielle pour ça. Alors, pour parler de certaines techniques diagnostiques qui sont parfois des termes un peu flous pour les gens qui envoient leurs patients, la majorité des diagnostics sont faits en endoscopie bronchique. Donc, on a plusieurs méthodes. Parfois, la tumeur est dans la bronche, on fait des biopsies simples, ça c'est assez facile. Et puis parfois, les tumeurs sont très loin dans le poumon. Et donc, on va essayer d'attraper les ganglions qui se situent à l'extérieur de l'arbre bronchique, qui sont représentés ici en rouge. Donc, ils sont de l'autre côté du mur. Donc, pour aller de l'autre côté du mur, la première technique, c'est de percer à l'aveugle. Donc, au moyen d'un fibroscope, vous voyez une aiguille là, qui sort du fibroscope qui va aller traverser la paroi de la bronche pour aller piquer dans un ganglion. À l'autre bout, il y a une seringue. On fait des mouvements de va-et-vient. On aspire du matériel ganglionnaire. Ça, c'est une technique. Alors, j'ai mis récente entre parenthèses parce que je crois que les premiers prélèvements étaient faits au début des années 80. C'est moyennement récent. Mais c'est une technique qui est assez facile d'accès une fois qu'on est habitué et qui peut se faire au cours d'un examen standard d'endoscopie. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et pour certains gros ganglions ou des sites comme par exemple sous la division de la trachée, eh ben, on a une très bonne rentabilité et ça permet de faire un diagnostic plus rapidement que d'attendre d'autres examens. Donc ça s'appelle TBNA ou ponction ganglionnaire par voie transbronchique. Et puis de temps en temps, les ganglions ils sont trop petits ou situés à des endroits un peu compliqués. Donc on utilise maintenant un appareil qui s'appelle l'échoendoscope, il est schématisé ici, avec au bout une petite sonde d'échographie. On se plaque contre la paroi de la bronche et vous voyez en bas, on voit le ganglion sur l'appareil d'écho. Donc on a sur notre écran l'image endoscopique et l'image échographique. Et vous voyez l'aiguille là qui sort de l'appareil. Donc on va aller piquer directement. Et vous voyez sur le schéma en bas à droite l'aiguille qui pénètre dans le ganglion. Donc on peut exactement sous contrôle de la vue prélever ces ganglions. Donc ça, c'est des techniques qui sont facile d'accès sur le plan technique. Par contre, au niveau organisationnel, c'est sous anesthésie générale. Il n'y a qu'un appareil en Calédonie. Pour le moment, on ne peut faire qu'un seul examen par semaine. Donc, ça explique parfois aussi encore des délais. Beaucoup de recours à la radiologie pour faire des diagnostics avec des ponctions sous scan qui deviennent de plus en plus efficaces, avec quand même des complications un petit peu plus fréquentes que les complications de l'endoscopie. Donc si on peut faire le diagnostic en endoscopie, souvent c'est plus rapide et il y a moins de morbidité de l'examen, parce qu'il y a quand même fréquemment des saignements ou des pneumothorax qui ne sont pas forcément des gros pneumothorax, mais qui prolongent un petit peu les séjours des patients. Un exemple, un patient qu'on veut envoyer au PET scan, on nous demande d'avoir une anapath avant le PET scan, on lui fait une ponction sous scan et puis il a un petit pneumothorax, pas grave, mais il ne peut plus prendre l'avion pendant un mois parce qu'il a son pneumothorax. Donc tout ça, il faut y penser un petit peu dans le procédé. Et puis, ça c'est plus dans l'évolution de la maladie. On peut maintenant faire des marqueurs tumoraux sur la biologie sanguine, donc c'est de l'ADN tumoral circulant sur lequel on va essayer d'étudier les mutations des cellules cancéreuses, mais ce n'est pas du screening tumoral, on ne peut pas faire un diagnostic de cancer avec ces techniques. Alors, on aimerait faire des diagnostics plus tôt, donc est-ce qu'on peut faire du dépistage comme on fait avec le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer du col? Oui et non. Alors, ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est prouvé que la radiographie thoracique pour un dépistage, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas malade, qui n'a pas de symptômes, mais qui a un terrain à risque, ça ne marche pas. Si on fait radio ou pas radio, il y a exactement la même mortalité spécifique et générale. Par contre, il y a plusieurs études, dont la première grosse étude NLST en 2011, qui a montré que dans une population sélectionnée, si on faisait des programmes de scanner low dose, on réussissait enfin à diminuer la mortalité spécifique de la maladie et la mortalité globale.
20% quand même de mortalité spécifique et 6% de mortalité globale. Donc c'est le premier signal qu'on a eu qu'on pouvait améliorer un petit peu les choses et faire du dépistage. Alors l'HAS n'a pas validé ce dépistage. Par contre, tous les avis d'experts recommandent maintenant globalement de proposer un dépistage dans ce groupe de patients, donc des gros fumeurs qui sont soit encore actifs, soit sevrés depuis moins de 15 ans, qui ont au-delà de 55 ans, et on fait un scanner low dose, donc c'est des techniques de scanner avec moins d'irradiation, à T0, T1 et T2 ans. Une fois qu'on a l'imagerie, les biopsies, il faut faire la synthèse de tout ça, on met tout ça dans le pot, on touille, et on en ressort la classification TNM, qui est extrêmement variable, puisque régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, elle est modifiée. Donc c'est totalement indigeste. Moi, je ne vais jamais en RCP sans ma petite anti-sèche, parce que je suis incapable de me souvenir de ça. Et même parfois, souvent, on a des discussions en RCP en disant, est-ce que c'est un T2A, un T2B ? On n'est pas toujours, c'est pas toujours très facile de classer les gens. Or, tous les algorithmes de traitement découlent de ça. Donc si vous êtes un peu perdu là-dedans, c'est normal, c'est pas toujours très facile. Et alors je vous recommande, si vous vous posez des questions ou que vous vous intéressez au sujet, le groupe Auvergne-Rhône-Alpes, donc AURA, édite chaque année des référentiels en oncothoracique, à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique, qui sont extrêmement bien faits, qui sont maintenant vraiment des références un peu consensuelles en France et qui sont d'une aide précieuse. Alors ça, je pense que c'est la plus importante diapositive. Moi, elle m'a permis de comprendre plein de choses, c'est-à-dire que avant, on avait le cancer, la ligne du bas, mais avec une hétérogénéité de patients qu'on ne savait pas reconnaître. On mettait le même traitement à tout le monde, on disait, il y en a chez qui ça marche, d'autres chez qui ça ne marche pas. Et puis, on a évolué, on a dit, ah bah oui, il y a des petites cellules, des grandes cellules, dans les non-petites cellules, il y a des épidermoïdes, il y a des adénocarcinomes, il y en a encore d'autres groupes. Et puis, au sein des adénocarcinomes, ah bah, il y en a qui sont un peu particuliers, puis on retrouve des mutations dans le matériel génétique des tumeurs, donc on fait de la thérapie ciblée. Et puis, ah, il y en a qui ont des marqueurs spécifiques à la surface de leurs cellules. Et du coup, chaque petit groupe, chaque fois qu'on progresse et qu'on réussit à identifier un nouveau groupe, ben, on réussit à développer des traitements spécifiques pour ce groupe et on améliore le traitement et le pronostic de ces patients. Donc avant, tous ces gens-là, en bas, ils étaient la même couleur. Maintenant, on réussit au sein d'un groupe à les sortir de la globalité et à faire des traitements plus à la carte, personnalisés. Alors, la classification des cancers, c'est difficile, donc je ne vais pas vous reprendre les listes, ce n'est pas le but de ce soir. Je vais vous montrer, si vous voulez vous y intéresser, un petit schéma récapitulatif de tous les types et sous-types histologiques de cancers. Donc, j'ai fait exprès de le mettre en petit pour que vous ne puissiez pas lire, parce que c'est difficile, surtout à jeun. Mais ça, c'est aussi un progrès pour identifier des sous-groupes de patients et comprendre à qui on va proposer quel patient. Et puis, il y a la biologie moléculaire. Ça, c'est hyper, hyper important. Ça a permis vraiment de faire des progrès énormes. Donc, on recherche dans le matériel génétique de la cellule cancéreuse. Hein, ce n'est pas le matériel génétique du patient. Donc, ce ne sont pas des mutations qui se transmettent entre les générations. Des anomalies. Ces anomalies, elles sont très fréquente chez les non-fumeurs, ce qui nous montre bien que ce ne sont pas les mêmes cancers que les fumeurs. Les fumeurs, c'est souvent des cancers qui ont eu des agressions répétées de leur matériel génétique par des agents toxiques et qui ont des multiples mutations, tandis que les non-fumeurs, ils ont souvent une anomalie dans le matériel génétique qui ont entraîné le développement du cancer, et c'est sur cette anomalie qu'on va axer les thérapies ciblées. Le problème, c'est que c'est de la biologie moléculaire, qu'on n'a pas de laboratoire de biologie moléculaire en Calédonie. Ça part en France et il nous faut minimum un mois entre le moment où ça part et le moment où on a les résultats, alors qu'on a envie de commencer un traitement. Donc ça, c'est un véritable problème qu'on essaye de contourner, qu'on va essayer de contourner. Et puis, c'est hyper cher, ça coûte 1 000 euros par test à peu près. Donc, pour chaque patient, et parfois les patients ont besoin de ça plusieurs fois dans leur traitement, pour chaque test, c'est 1 000 euros.
Alors, il y a maintenant des tests d'analyse rapide avec des automates et des cassettes qui nous permettraient d'avoir une première analyse sur les mutations les plus fréquentes en Calédonie. Et donc, je pense que ça va finir par arriver et qu'on pourra utiliser ça. Mais pour le moment, on est encore très freiné par les délais. C'est indispensable. On ne peut pas aujourd'hui démarrer un traitement d'un cancer, surtout chez un non-fumeur, sans avoir ces résultats-là. C'est criminel. Je veux dire, un non-fumeur qui a un adénocarcinome, si on lui met un traitement sans avoir ces résultats-là, on est sûr de ne pas lui rendre service et de lui faire perdre des chances. Donc, c'est vraiment des éléments hyper importants. Voilà pour la partie diagnostic. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà ou on fera à la fin. Alors, le traitement, je continue mon marathon, j'arrive au 18e kilomètre. Alors, c'est simple, les stades localisés, on va faire un traitement local. Alors, le traitement local, c'est essayer d'enlever toute la tumeur, donc il faut pouvoir le faire anatomiquement ou fonctionnellement quand les gens ont des capacités respiratoires à diminuer. Donc, c'est la chirurgie, le traitement de référence. Ça reste encore aujourd'hui le traitement de référence, mais il y a d'autres méthodes chez les gens qui sont inopérables, qui peuvent être la radiofréquence, qui est une technique dont on dispose assez facilement au Medipôle. Ils font ça de plus en plus. Donc, c'est une petite sonde thermique, vous voyez, avec une sorte de harpon qu'on met au milieu du nodule et qui va, par effet Joule, entraîner une destruction cellulaire. Alors, c'est un peu les mêmes complications que la ponction sous scan. Les délais de rendez-vous sont un petit peu longs, mais ça va, ça reste assez raisonnable, compatible avec une prise en charge thérapeutique d'une forme localisée. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut, dans le même temps, juste avant, mettre le trocard, faire une biopsie, donc refaire des prélèvements avant de faire le traitement. Ce qui n'est pas le cas quand on fait de la radiothérapie, c'est-à-dire qu'on va faire un traitement localisé, moins invasif, mais avec l'absence d'anatomopathologie. Donc, si on a besoin d'histologie, c'est plus intéressant la radiofréquence. Idéalement, sur des petits nodules, il faudrait faire de la radiothérapie stéréotaxique pour épargner les tissus sains. On n'a pas encore cette technique sur le territoire. Donc, hors période Covid, on envoie les patients faire la radiothérapie stéréotaxique en Australie. Dans les formes localement avancées, c'est les plus difficiles. Déjà, c'est les plus difficiles à ranger en TNM. Alors, on a des débats assez longs pour savoir à quel stade ils correspondent, quelles sont les limites de la tumeur, est-ce que les ganglions ils sont liés à la tumeur, est-ce qu'ils sont liés à autre chose. C'est souvent assez compliqué de faire un staging précis. Et puis, on va avoir une combinaison de traitements, à la fois avec un traitement général et un traitement local, pour essayer d'être le plus efficace possible. Globalement, il faut retenir que les formes localement avancées, on va faire la radiochimiothérapie. On ne va pas les opérer, ça c'est sûr. Et puis, on va maintenant, après cette radiochimiothérapie, qui peut être concomitante, donc on fait les deux traitements en même temps, ça sélectionne des patients quand même assez en forme, ou séquentiel, on va faire les traitements l'un après l'autre. Et on va ensuite, maintenant, dans certains protocoles, proposer de l'immunothérapie, qui a été validée dans certains cas pendant un an après cette radiochimiothérapie, qui augmente l'efficacité et le pronostic des patients. Donc ça nécessite des grandes discussions entre le chirurgien, le radiologue, le radiothérapeute, l'oncologue et le contexte du patient. C'est des traitements qui sont assez lourds, qui sont souvent plus lourds que des traitements médicaux seuls, donc il faut vraiment bien préparer le patient. Donc ça, c'était les stades locaux et localement avancés. Et on arrive à la partie facile, les stades disséminés. Donc je vous ai mis un petit schéma reproductif, c'est très simple. Alors, j'ai mis ça pour vous montrer qu'il y a plein de choses, mais finalement, c'est plus simple que les formes localement avancées. Et dès que vous ouvrez un référentiel, on va vous lister les protocoles de première ligne, de deuxième ligne pour les formes disséminées. On n'a finalement pas beaucoup de décisions à prendre. Une fois qu'on a réussi à mettre le patient dans la bonne case, on ouvre son livre et on nous dit comment il faut le traiter. Finalement, ça, c'est des décisions assez faciles à prendre si on a tous les éléments diagnostiques. Donc, ce n'est pas intellectuellement, ça, c'est des choses qui vont bientôt pouvoir être remplacées par des machines et on va pouvoir passer plus de temps à la première médecine, parce que je n'aime pas ce terme de troisième médecine, oui, mais... Pourquoi elle est en troisième? Elle devrait être en premier, pour des choses plus importantes. Donc, on a des algorithmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on utilise des combinaisons de traitements
On a eu la chimiothérapie, ensuite il y a eu l'immunothérapie, on s'est dit est-ce qu'il faut en deuxième ligne, ensuite il y a eu l'immunothérapie en première ligne pour certains patients à la place de la chimiothérapie, et maintenant on fait des associations de chimio et d'immunothérapie avec une efficacité spectaculaire et prolongée chez certains patients, mais l'absence totale d'efficacité chez d'autres, donc ce n'est pas non plus la panacée chez tout le monde, mais on a vraiment changé le pronostic de certains patients avec ces traitements. Donc ça, c'est voilà, je vous mets les algorithmes, donc il y a pour les non-épidermoïdes, les épidermoïdes, les petites cellules, on a maintenant également des protocoles d'association de chimio et d'immunothérapie dans les petites cellules, plus ou moins combinées avec de l'irradiation, soit préventive, soit de consolidation. Donc en résumé, les cancers localisés, ça se traite localement, les localement avancés, on combine de la chimio, de la radiothérapie, plus ou moins l'immunothérapie, et les cancers disséminés, on fait des combinaisons de chimiothérapie, d'immunothérapie, ou on utilise des thérapies ciblées chez les patients qui ont des mutations particulières, mais c'est un sous-groupe de patients. Et évidemment, tout ça, ça doit s'associer aux soins de support, au soutien nutritionnel, aux antalgiques, au soutien psychologique, voilà, en se reposant beaucoup sur les moyens qu'on a. Et toujours la consultation d'annonce, c'est jamais une consultation. J'essaie de les revoir le plus souvent possible dans la mesure des moyens pour reparler de certaines choses. On ne peut pas, en une consultation, aborder le diagnostic, les conséquences personnelles, le traitement, les effets secondaires. C'est impossible à aborder en une seule consultation. Il y a des choses dont on va reparler pendant très longtemps. Sur le plan nutritionnel, à mon sens, le plus important, c'est qu'ils mangent, parce que c'est parfois un challenge de manger quand on a un cancer avec des traitements lourds. Et donc, moi, je me garde d'être dogmatique en leur disant « fais pas ci, fais pas ça ». Parfois, on leur donne même des feuilles avec des recommandations qui sont éditées de façon officielle sur quand vous avez tel traitement, évitez de manger acide, sucré et tout. Il y en a qui aiment que ça et qui sont très bien en mangeant du piment matin, midi et soir. S'ils ont envie de manger du piment matin, midi et soir, faut pas leur interdire, bien sûr. Et puis, il y a toute cette dogme sur le sucre, où les gens, parfois, du coup, font des régimes totalement exclusifs en sucre, et on les voit se dénutrir, parce que la cellule cancéreuse, si on ne lui donne pas de sucre, elle va aller piocher dans le muscle, elle va détruire la protéine du muscle, et les gens vont se dénutrir, et ils vont aller moins bien, et quand ils remangent une alimentation plus variée, ils se renutrissent. Donc moi, j'ai constaté que tous mes patients qui ont suivi des régimes exclusifs en sucre, ils ont été vraiment beaucoup moins bien, donc je leur conseille fortement de ne pas se gaver de sucre toute la journée, mais de ne pas exclure totalement les choses, parce qu'après, ils changent leur alimentation et ils ne mangent plus. Il y a un patient qui a un cancer qui ne mange plus, il ne va pas bien. Le sevrage tabagique, c'est utile avant, pendant, après, et ça va améliorer la qualité de vie. Donc, il faut en parler et en reparler, en reparler. Et c'est un sujet, parfois, on oublie, on a l'impression que nos patients, on leur a fait un diagnostic de cancer. Évidemment, ils ont arrêté de fumer. Et bien, parfois, évidemment, ils continuent à fumer, voire encore plus. Et donc, parfois, tout d'un coup, moi, ça m'est arrivé. Au bout d'un an, je réalisais que le patient, il continue à fumer 30 clopes par jour. Là. Vous fumez encore ? Eh oui, voilà, faut de temps en temps on met ça de côté, mais il faut en reparler régulièrement. On traite les complications également respiratoires. Alors il y a des techniques endoscopiques, en bronchoscopie rigide pour si la tumeur elle obstrue la bronche pour faire re-respirer les patients. Ça c'est quand même utile que nos patients respirent. S'ils ont des gros épanchements pleuraux, on les vide, on peut les opérer et mettre du talc pour coller la plèvre. Beaucoup de complications osseuses, donc on propose de la radiothérapie antalgique et de consolidation, mais de la chirurgie éventuellement, et maintenant de la cimentoplastie, donc c'est l'injection de ciment dans une vertèbre, là, qui a un effet préventif sur le risque fracturaire et antalgique, donc c'est une technique très intéressante qui est faite au Medipôle aussi. Les préventions des complications ou le traitement des complications neurologiques, et puis on reparlera des complications des traitements. On a traité notre patient, il a été mieux, et puis, hop, de nouveau, il ne va pas bien. Alors, c'est comme le patient qui peut bénéficier que d'un seul stage au CSSR dans sa vie. On vient de nous accorder, à la CAFAT, une petite surcote de consultation d'annonce pour les patients diagnostic difficile, mais c'est une fois dans la vie du patient. Alors, moi, je trouve ça beaucoup plus difficile d'annoncer une rechute
qu'à la première annonce. C'est beaucoup, beaucoup plus chronophage et compliqué vis-à-vis du patient. Quand on lui a mis en face un traitement, ça va aller, et puis tout d'un coup, ça ne va pas. Alors là, c'est là que ça se complique. Donc le concept d'une consultation difficile pour ce genre de maladie, on n'est pas encore dans la réalité, mais c'est un petit signal. Le problème... Si c'est une progression très importante multisite, ben on prend des traitements de deuxième ligne ou de troisième ligne. Mais maintenant, on a entièrement changé notre façon de voir dans des maladies qui restent très contrôlées à certains sites, mais qui échappent sur d'autres sites. Eh ben, on va continuer les traitements qu'on avait avant en essayant de faire des traitements locaux sur les sites où ça échappe. Et ça, ça a entièrement changé notre façon de voir et de discuter les patients. Et donc, de plus en plus, on a des patients qui sont, par exemple, sous chimio, sous immunothérapie, et puis ils vont avoir une métastase qui apparaît quelque part. Ben, on va faire un traitement local sur la métastase en continuant le traitement, et on repousse l'échéance du changement de traitement et de l'épuisement des lignes successives. Et c'est vraiment des stratégies qu'on adopte de plus en plus. Le plus souvent, il faut faire des contrôles histologiques parce que les traitements peuvent amener sélectionner des clones de résistance ou même des clones tumoraux différents avec des changements d'histologie. Donc, il faut reprélever quand on se repose ces questions-là. Une petite particularité de patients chez qui on met de l'immunothérapie et qui, en début de traitement, peuvent avoir ce qu'on appelle des pseudo-progressions, donc une aggravation radiologique, mais une amélioration clinique. Donc ça, il faut le connaître, mais c'est assez rare. Je vais vous dire un petit mot sur les thérapies ciblées et un petit mot sur l'immunothérapie, juste pour savoir de quoi on parle. Les thérapies ciblées, c'est très simple, hein, la transduction du signal, moi j'ai toujours adoré, là, je suis comme un poisson dans l'eau, il y a des molécules partout, j'ai jamais rien compris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a en permanence des messagers qui envoient des signaux à l'intérieur de la cellule, ils se fixent sur les récepteurs, le récepteur, il active des molécules en dessous, tout ça, ça discute et ça agit sur le matériel génétique de la cellule. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les thérapies ciblées, eh ben, ça va modifier les interactions et la transmission du signal entre tous ces gens-là, soit en mimant des récepteurs, soit en inhibant des liaisons entre les protagonistes. Donc l'exemple le plus facile à expliquer, c'est les tyrosines kinases qui ont un rôle dans la régulation de la croissance cellulaire. Eh ben, on va inhiber l'activation de ces enzymes, les tyrosines kinases. Donc le signal il est interrompu et donc on contrôle la prolifération cellulaire. Donc on a développé des molécules inhibitrices qu'on appelle les TKI, donc inhibiteurs de tyrosine kinase, pour des mutations par exemple, de l'EGFR, mais on va également développer ces inhibiteurs pour d'autres mutations, dont la liste s'allonge progressivement, donc BRAF, ALK, HER2. Donc tout ça, c'est des mutations, des traitements qui évoluent chaque année. Et tous les 6 mois, on voit apparaître des nouveaux traitements et des nouvelles mutations. Bien comprendre que chez un fumeur, le nombre de mutations accessibles à un traitement, il est quand même non négligeable, mais il n'est pas aussi élevé que chez le non-fumeur, où il y a quasiment plus de la moitié des gens qui peuvent avoir accès à un traitement ciblé. Donc c'est, encore une fois, ne jamais mettre en route un traitement chez un non-fumeur sans avoir ces résultats-là, parce qu'on se perd ses chances. C'est des traitements qui donnent des survies sans progression et des survies globales extrêmement supérieures à ceux des traitements conventionnels. Donc, quand on a une mutation génétique de sa tumeur, on vit plus longtemps que quand on n'en a pas, c'est l'écart des courbes de survie. Et vous voyez le type de différence de courbe de survie entre un inhibiteur de tyrosine kinase et une chimiothérapie. Donc il n'y a pas photo, on ne peut pas se tromper et proposer une chimio quand on peut proposer une thérapie ciblée. Est-ce qu'il faut pour autant abandonner la chimio dans l'histoire du patient? Non, parce que les gens à qui on ne propose pas de chimio après les TKI, ben, ils vont vivre mieux que si on leur fait que la chimio, mais si on fait les deux, l'un après l'autre, ben, on gagne encore en survie. Donc les chimios ne sont pas abandonnés, c'est un traitement de deuxième ligne chez les gens qui ont des mutations. Et les autres patients non mutés, ben, c'est compliqué, donc on avait besoin d'un nouveau concept thérapeutique qui a été l'immunothérapie. Donc ça, c'est un petit schéma qui vous montre toutes les
toute la façon dont la cellule cancéreuse peut échapper au contrôle de l'organisme. Et donc, c'est Avoiding Immune Destruction, c'est encore plus impressionnant en anglais. On va éviter la destruction par le système immunitaire. Alors, est-ce que c'est bien ? Je disais l'autre jour, j'aime bien cette diapositive pour deux raisons. La première, c'est que c'est Harrison Ford. C'est toujours très agréable. Mais la deuxième, c'est qu'il trouve le Graal. Ça devrait être le plus beau jour de sa vie. Il devrait être trop content. Et il fait une tête, mais alors, comme s'il avait vu un fantôme. Donc, on sent qu'il est en même temps très inquiet de ce qu'il vient de trouver. Donc, c'était un peu le sentiment qu'on avait avec l'immunothérapie. Les principes. C'est un peu le même style que les thérapies ciblées, c'est-à-dire intervenir sur la façon dont se parlent tous ces gens-là à l'intérieur de notre organisme. Donc, entre les cellules cancéreuses qui expriment des antigènes à leur surface, qui vont être reconnues par les cellules dendritiques, captées et présentées aux défenses immunitaires, il y a des moyens d'accroche et ce qu'on appelle les checkpoints, les points de contrôle. Et donc, on va intervenir sur ces moyens d'accroche, sur ces checkpoints, en les inhibant ou en levant les inhibitions, de façon à ce que le système immunitaire puisse de nouveau reconnaître les antigènes à la surface des cellules cancéreuses et les identifier comme appartenant au non-soi et donc aller les détruire. Donc la cellule cancéreuse qui avait trouvé des techniques pour feinter le système immunitaire, en gros, on réapprend au système immunitaire à les reconnaître. Ça fonctionne un peu comme une immunité acquise à un agent pathogène, même principe. Donc, par contre, qui sont les candidats ? On ne sait pas bien. Parmi tous ces gens-là, on n'a pas encore, malheureusement, de marqueurs qui nous permettent de dire « celui-là, il va répondre à l'immunothérapie et celui-là, il ne va pas répondre ». Alors, on a des petites idées, on a des petits outils, mais c'est loin d'être aussi performant que les mutations génétiques pour les thérapies ciblées. Alors, comme je vous disais, les indications, elles sont arrivées d'abord en deuxième ligne, puis en première ligne en monothérapie pour des gens qui exprimaient fortement à la cellule de cancéreuse un marqueur qui s'appelle le PD-L1. Donc, vous verrez peut-être passer ça dans les comptes rendus. Et maintenant, quel que soit le niveau de PD-L1, on les propose en association en première ligne à une chimiothérapie, à la fois dans les non-petites cellules et dans les petites cellules. Est-ce que ça marche chez tout le monde ? Non. Le taux de réponse en moyenne, c'est de 20%. Donc, souvent, les gens, ils arrivent maintenant à la consultation en disant « Bonjour, j'ai un cancer, je veux de l'immunothérapie. » Donc, il faut leur expliquer que ce n'est pas le Graal, justement. Il y a des contre-indications relatives en cas de maladie auto-immune. Je dirais maladie auto-immune non contrôlée, parce qu'on a des patients qui ont des maladies auto-immunes à qui on fait de l'immunothérapie, ça se passe bien. Moi, j'ai une dame en ce moment, ça fait 2 ans qu'elle est traitée, elle est en réponse complète alors qu'elle avait une polyarthrite rhumatoïde ultra sévère, et pour le moment, ça se passe bien. On n'a pas de biomarqueur assez performant pour prédire l'efficacité. On pensait sur les premières études que les sujets âgés répondaient moins bien. Maurice Perrol, hier, nous disait qu'apparemment, ce n'était pas le cas. On peut le proposer à des gens âgés. Par contre, les gens qui sont en mauvais état général, ça reste quand même, de la même façon que les chimiothérapies, une mauvaise indication, parce que probablement leur système immunitaire n'est pas aussi performant du fait de l'altération de leur état général. Et on a des gens qui sont hyper progresseurs, c'est-à-dire que non seulement ça ne marche pas, mais ils vont flamber leur maladie tumorale. Donc ça, c'est à surveiller en début de traitement, parce que c'est parfois assez dramatique. Au bout de 2 cures, 3 cures, ils aggravent grandement leur maladie. Pour vous résumer le profil de réponse à l'immunothérapie, avant la ligne verticale, la maladie elle progresse, on décide de mettre l'immunothérapie, soit ça s'améliore, soit ça se stabilise, soit ça progresse, mais en fait, c'était une pseudo-progression, ça s'améliore après, soit ça hyper-progresse. Et on a tous les cas de figure. C'est pas le sujet. Donc, pour choisir le traitement, il faut des prélèvements, et des prélèvements, et des prélèvements. Il y a 20 ans, on faisait 3 biopsies, on trouvait une cellule cancéreuse, on disait c'est bon, on a le diagnostic. Maintenant, on en discutait avec Hervé, on fait 5, 6, parfois plus quand c'est nécrotique. Moi, j'ai l'habitude de dire aux infirmières à qui je travaille,
Quand on a l'impression qu'on a fait assez de biopsies, il faut en refaire deux encore parce qu'on n'en a jamais encore, parce qu'il faut beaucoup de matériel pour mieux connaître la tumeur, adresser dans différents laboratoires. Donc, ça, c'est nos considérations, mais ça explique les examens, ils sont parfois un peu plus difficiles pour les patients. Et ça coûte, avec les problèmes d'accessibilité et du délai en Calédonie. Un tout petit mot sur les innovations thérapeutiques. Donc il y a une nouvelle classe de médicaments qui émerge, dont on va entendre parler de plus en plus souvent, qu'on appelle les anticorps conjugués. En anglais, c'est Antibody Drug Conjugate. Donc ça associe un anticorps monoclonal et une molécule cytotoxique de type chimiothérapie. Et l'anticorps monoclonal va conduire la molécule cytotoxique vers la cellule cancéreuse, la faire rentrer dedans, et donc ça va épargner les dommages collatéraux pour avoir une activité plus ciblée sur la cellule cancéreuse. Donc on peut utiliser des drogues qui étaient très toxiques si on les utilise sans ces anticorps conjugués, puisqu'elles vont aller directement à la cellule cancéreuse. Donc ça se développe pour certaines indications, des mutations justement de certaines sous-catégories de patients. Il y a énormément d'études en cours, donc c'est probablement des molécules dont vous entendrez parler prochainement. Un petit mot sur les effets secondaires. Les chimiothérapies, c'est classique. On est fatigué, alors, un peu, beaucoup, passionnément. Ça dépend des gens, ça dépend de l'état de base, ça dépend du moral. Le jour où on réussira à mesurer le symptôme fatigue de façon quantitative, on pourra savoir à quoi elle est due et progresser un peu dans notre prise en charge. Moi, je trouve que c'est le symptôme le plus compliqué parce que c'est tellement multifactoriel qu'on a du mal à parfois aider les gens avec ce symptôme-là. Des troubles digestifs qu'on arrive à contrôler avec les médicaments, des cytopénies qu'on essaie de prévenir ou de traiter, des complications cardiovasculaires, les neuropathies, bon, ça c'est du classique. Les complications de la radiothérapie qui peuvent être locales, comme ici un exemple de dermite radique, mais ça peut être des complications pulmonaires, ce qui nous complique parfois la tâche. Ensuite, à la fois au niveau thérapeutique et au niveau diagnostique, parce qu'on a des patients qui ont, par exemple, la radiochimiothérapie, ils font une pneumopathie radique, et après, les images sont impossibles à interpréter parce qu'on a de l'inflammation partout, et donc on ne sait plus qu'est-ce qui est de la tumeur, qu'est-ce qui est de la pneumopathie radique. Ça devient compliqué au niveau diagnostique, et ça peut laisser des séquelles à long terme. Les thérapies ciblées, beaucoup de troubles digestifs qui peuvent être un facteur limitant, on peut être amené à baisser les doses. Des lésions cutanées qui sont cutanées aux muqueuses sont assez fréquentes également, qui répondent assez bien aux cyclines sur le plan thérapeutique. C'est vrai pour les chimios, l'immuno et les thérapies ciblées. Prévention solaire, ici il faut faire attention parce que ça aggrave quand même les lésions cutanées. Et les complications de l'immunothérapie, dont l'origine est assez facile à comprendre. Il y a des freins qui régulent notre système immunitaire d'habitude et qui l'empêchent de faire n'importe quoi. Eh bien, on va lever ces freins avec l'immunothérapie pour que le système immunitaire aille attaquer les cellules cancéreuses. Et quand on lève les freins, on libère tout le monde, y compris les mauvais élèves qui se trompent et qui, au lieu d'aller attaquer les cellules cancéreuses, vont se retourner vers au lieu des cellules non-soi, les cellules du soi. Et donc, on va développer des manifestations qui ressemblent à des manifestations auto-immunes. Qui sont moins fréquentes que les effets secondaires de la chimiothérapie, tout grade confondu. Les effets secondaires graves sont moins fréquents également, et les arrêts précoces de traitement à cause de ces effets secondaires sont également moins fréquents qu'avec la chimio. Donc c'est un problème, mais c'est pas pire que la chimio. C'est plus stressant parce que c'est très multisite. Donc au milieu de cette foule qui est traitée par immunothérapie, au lieu qu'il y en ait 30 qui fassent une cytopénie et donc on est rodé, on sait les reconnaître, il y en a un qui va faire une myocardite, l'autre qui va faire une pancréatite, l'autre qui va faire une thrombopénie, l'autre. Et donc il faut se transformer en interniste, ce que je ne suis pas non plus, ni gymnaste, ni marathonienne, ni interniste. Et donc on a besoin d'un réseau important pour avoir des correspondants qui connaissent ces toxicités-là et qui peuvent prendre en charge nos patients rapidement, parce que l'idée, c'est, dès qu'on a un effet secondaire, ne pas attendre qu'il soit grave, de le prendre en charge tôt pour pouvoir se donner les moyens de continuer le traitement, même s'il faut l'interrompre pendant une petite phase. Mais c'est en faisant ça qu'on évite déjà les effets secondaires graves et qu'on peut continuer les traitements éventuellement.
Donc, les plus fréquents, c'est poumons, assez précoces dans le traitement généralement, le tube digestif avec des colites assez fréquentes et des hépatites, des arthralgies, des endocrinopathies qui ont la caractéristique d'être souvent spontanément réversibles quand c'est des atteintes thyroïdiennes et qui sont curieusement associées à une meilleure réponse au traitement de façon... on voit que les patients qui ont ces toxicités-là souvent sont des meilleurs répondeurs à l'immunothérapie, avec des cinétiques d'apparition qui sont très variables et des durées très variables tout au long du traitement. Les traitements d'immunothérapie, dans l'idéal, quand on les continue aussi longtemps qu'on voudrait, c'est au moins 2 ans, hein, donc c'est plus que le marathon. Voilà, je ne vais pas vous bananer, il est tard, avec tous les effets secondaires. Il y en a. Il faut les anticiper. Donc, il faut avoir vraiment une communication facile et claire avec son patient pour qu'il ne nous mette pas 3 consultations à nous dire qu'en fait, il a 3 diarrhées par jour et qu'il a une colite immune qui est en train de s'aggraver. Donc, ça, ce n'est pas évident, parce que les gens, ils ont du mal parfois, c'est souvent le syndrome de la main sur la porte une fois qu'ils partent, que, ah oui, je vous ai pas dit, mais... Donc, voilà, il faut en parler, faire des traitements symptomatiques, arrêter le traitement par immunothérapie pendant un petit moment si besoin, pour traiter l'effet secondaire et le reprendre avant que l'effet secondaire soit grave. Ça, c'est vraiment le plus important. La complexité, c'est, vous avez vu, maintenant on associe chimio, immunothérapie, ou éventuellement d'autres traitements ensuite, et du coup on ne sait plus qu'est-ce qui est à l'origine de l'effet secondaire, donc ça devient parfois un casse-tête, donc on a besoin de toutes les personnes qui s'occupent du patient pour bien cerner ces problèmes-là. Un petit mot sur les corticoïdes et sur les antibiotiques, parce que ça concerne tous les médecins qui sont amenés à voir des patients sous immunothérapie. L'impact pronostique de la corticothérapie à forte dose en début de traitement est négatif. Donc on essaye d'attendre pour introduire l'immunothérapie que les gens aient des faibles doses de corticoïdes, sinon ça marche moins bien. Par contre, on sait maintenant qu'on peut prescrire une corticothérapie en cours de traitement par immunothérapie, en visant l'indication exacte, la durée la plus courte et la dose la plus faible possible, mais il ne faut pas s'en priver quand c'est nécessaire, bien sûr, mais ne pas avoir des prescriptions non plus un peu systématiques. Pour les antibiotiques, c'est pareil, il semble qu'il y ait un facteur pronostic négatif, probablement par la modification du microbiote sur l'efficacité de l'immunothérapie. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser nos patients mourir d'un choc septique, mais il faut avoir des indications pesées et mesurées quand il y en a besoin. Les vaccinations, plutôt oui, mais c'est encore pas totalement consensuel. Dans les coprescriptions, la radiothérapie et l'immunothérapie semblent augmenter la toxicité avec les pneumopathies radiques, mais probablement une meilleure efficacité également. Quid des coprescriptions avec les thérapies traditionnelles? Comme on ne sait pas très bien, je ne maîtrise pas très bien la pharmacopée traditionnelle, c'est parfois un peu compliqué parce que parfois les patients font des purges ou des choses comme ça, même des trucs simples et ils se déshydratent, donc on peut avoir des problèmes avec ça. Donc en parler, bien sûr, pour savoir s'ils ont pris quelque chose, pour comprendre ce qui se passe. Donc, toujours regarder à gauche et à droite, et pas dans une seule direction. C'est pas parce qu'un patient a une immunothérapie que ce qui lui arrive est lié à l'immunothérapie. Pour aider, on peut bien identifier les effets secondaires avec des tableaux assez compliqués qui sont dans la classification des effets secondaires. Il y a une petite application très bien faite qui a été faite par Gustave Roussy avec un onglet immunothérapie qui liste toutes les toxicités possibles et les bilans à faire en cas de toxicité. Alors, c'est un peu des listes, mais ça donne des idées quand on a des souvenirs un peu lointains de certaines pathologies. Et puis, les collègues. Donc, se faire un réseau pour bien prendre en charge ça.
Voilà, on va directement cette conclusion-là. Donc, la prise en charge du cancer, elle a beaucoup changé et elle continue à beaucoup changer avec des prises en charge qui sont complexes et multidisciplinaires, mais qui s'améliorent. Bah, beaucoup de dialogues nécessaires et c'est la chose que je pense qu'on fait le moins bien par manque de temps. On aimerait à la fin de la journée téléphoner à tous les médecins traitants de nos patients et pouvoir connaître l'environnement social et familial de nos patients et tout, mais voilà, on essaye de faire ce qu'il faut, mais on n'y arrive pas toujours. Donc on est très, moi en tant que personne de recours pour le cancer. Moi, je suis très contente quand les gens m'appellent pour discuter des patients, parce que dans l'autre sens, c'est pas toujours évident. Des traitements innovants avec plein d'enjeux sur l'efficacité, mais sur la toxicité. L'amélioration du pronostic et l'allonger la durée des traitements, ben, ça change un peu la relation qu'on a avec les patients, mais ça change aussi un peu leur vécu psychologique de la maladie. Avec l'apparition de problèmes d'observance thérapeutique pour les thérapies ciblées, surtout qui sont des traitements PEROS, que je n'aurais pas imaginé il y a quelques années. Et on se retrouve avec des patients qui sont en réponse complète sous thérapie ciblée de leur cancer et qui arrêtent les traitements. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend aisément, parce qu'on se dit, bah, voilà... C'est pas possible, ça marche bien, il arrête. Ben c'est comme le reste, c'est comme les traitements du diabète, de l'attention, de tout. C'est compliqué, il y a des moments où ils ont besoin de mettre tout ça de côté. Et plus ça dure longtemps et plus on va bien à certaines périodes, plus on a besoin, je pense, de vivre pendant un petit moment sans... comme si on n'était pas malade. Donc ça, il faut faire attention parce que ça peut sélectionner des résistances. Donc il faut essayer d'en parler et puis de le voir venir quand ça arrive. Donc voilà, c'est devenu une course de fond également pour les patients. Et en Calédonie, les particularités. Alors, des problèmes d'accès à certains examens, la radiothérapie stéréotaxique, le PET scan, la biologie moléculaire, avec des délais de prise en charge qui sont plus longs. Et puis le rôle du cannabis, donc Hervé s'est beaucoup intéressé à cette question, il vous en dira sûrement deux mots, avec un profil de patients très jeunes, avec des cancers très agressifs, très invasifs, qu'on voit de plus en plus souvent, d'où l'importance de tous ces aspects d'un travail transversal, voilà, et focus sur... les RCP et le réseau ONCO, qui est en train d'essayer de changer un petit peu, de se développer avec peu de moyens, mais pour essayer de plus intégrer justement les gens extérieurs à la prise en charge directe du cancer pour une meilleure communication entre tout le monde. Voilà, je vous remercie.